Bonjour à tous. Alors pour la recette, on va commencer par la pâte sablée. On aura besoin d'un œuf, de 250 g de farine, d'un pot de compote sans sucre, d'une pincée de sel, d'une cuillère à soupe d'eau et de 20 g de sucre Sugarly. Allez, dans le robot, on va mettre la farine, le sucre Sugarly, le pot de compote, la pincée de sel et on va venir mélanger tout ça. Une fois bien mélangé, on va ajouter un œuf et la cuillère à soupe d'eau. On remélange jusqu'à ce que ça se décolle des parois et que ça forme une boule de pâte bien homogène. On va réserver ça sous un film alimentaire au frais pendant au moins une heure. On y va pour la crème au citron. On aura besoin de 20 g de sucre Sugarly, 50 g de beurre brut de light à 15%, 3 œufs, une cuillère à soupe de maïzena, 4 beaux citrons bien mûrs et d'une râpe. On va commencer par râper un citron dans une casserole. On va venir récupérer le jus de nos 4 citrons. Il faut que ça fasse à peu près 150 ml. Si vous l'aimez bien citronné, c'est bien. Si vous voulez moins citronné, je vous conseille 100 ml. On va venir faire chauffer notre mélange. On va le faire porter à ébullition. Pendant ce temps-là, on va finir la crème avec nos 3 œufs. On les mélange avec notre sucre Sugarly et avec une cuillère à soupe donc de maïzena. Une fois le mélange bien homogène, on va récupérer notre jus de citron et on va l'ajouter. On va bien le mélanger et on va le remettre à chauffer jusqu'à épaississement de la crème. Une fois la crème bien épaissie, on va venir ajouter le beurre. On va remélanger et on va réserver au frais. On va le filmer au contact et on réserve au frais pendant une heure au moins. On va s'occuper de la pâte qui a bien reposé. Sur un plan de travail fariné, on va venir bien l'étaler. Alors avec cette préparation, j'arrive à faire 12 petites tartelettes. Donc j'utilise un moule en silicone que je farine pour pas que ça accroche. Je pense bien à piquer le fond de mes tartelettes pour ne pas que ça gonfle à la cuisson et même mettez un fond d'aluminium. Je le mets à 160 degrés pendant 20 minutes. On aura besoin pour la meringue donc de 3 blancs d'œufs, d'une poche à douille et de 20 g de sucre Sugarly. Au robot, donc on va faire monter nos blancs en neige. Il faut que ce soit bien brillant et bien ferme. Nos petites tartelettes sont maintenant cuites. Elles sont dorées, très jolies et croustillantes. On va venir ajouter notre préparation de crème au citron. On va ajouter nos blancs en neige sur notre petite tartelette. Et on va venir les caraméliser avec un chalumeau pour les rendre plus jolies et plus gourmandes. Et voilà nos belles tartelettes au citron meringuées. Super gourmand. Je vous conseille vraiment de refaire la recette. Elle est géniale. Et si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Merci à tous.